peux l'activer. Tu peux... Mais toi, tu l'entends pas. Coffre. Donc là, tu l'as pas. Y a un coffre. Parce que on... Ouais, je y a un coffre. Là, tu l'as pas parce que nous, on l'entend pas. Y a un coffre. Mais par contre, tes viewers ne l'entendaient pas. Y a un coffre. Oui, genre, là, par contre, je l'entends mieux. Y a un coffre. T'as de la chance que j'ai rien dans. J'avais pas de truc. Non, oui, non, j'ai entendu, t'inquiète pas, mais non, mais en fait, je pensais que. Et c'est marqué qu'il fallait attendre. En fait, je pense que c'est comme sur l'autre île, il faut chercher. Ah, bravo! Ah, bah merde! Non, sérieux? Bravo! Mais bah, t'es. Oui. Tiens! Allez, nous, putain! Tu... Voilà, tu as l'autre héritage. Ah, oh, merde, j'ai glissé. J'ai glissé, chef. J'ai sauté, chef. Oh, j'ai glissé. C'est le coffre de la mission, ça, ou y'a autre chose? Non, non, y'a autre chose. C'est pas du tout la mission, hein. Ok. Putain, mais vous avez tous glissé, vous êtes des boulous. Mais on pouvait pas remonter. Mais moi, je me sacrifie pour le truc, et puis lui, il glisse, quoi. Mais parce qu'on pouvait pas remonter. Je peux pas entendre tes excuses, mesdames. Oh. Arrête, y'a les poules rouges. Pourquoi y'a les poules rouges? Parce que les poules rouges, ça existe, c'est raciste, ou quoi? Non, rouge, rouge. Ouais, c'est du rouge. Ah, t'es sur un jeu de pirate où il y a des requins de 25 mètres de long Non, mais ça c'est pas pareil, ça existe vraiment. Ouais, est-ce que les trucs bougent aussi? Et les sirènes dégueulasses. Ah, ça c'est ta mère. T'as vu, mais avant toi. Petit souci, non, c'est pas parce que t'en as plus qu'il faut incendier celles des autres. Oh, ça va. Ah, mais il faut monter par là en fait, non? Je comprends pas. Allez hop, le capitaine est tellement intelligent, je fais comme lui. Et oui. Insane. Bah alors, Wabo, on est tout en bas? Apparemment. Apparemment, il y a un endroit. Attends, mais ah, je sais pas s'il y a des gens qui vont parler du coup. De quoi? Putain, mais horrible jeu, faut trouver un endroit où il y a du sap et des arbres, quoi. C'est incroyable. C'est à foutre. Écoute, moi j'ai trouvé une petite cascade avec des cochons. Là, il y a du sable ici. Bah, Lexios, spoiler, il y a du sable partout. C'est marrant là, c'est la famille de Wabo. Putain, mais quoi? Où ça? Où ça? Vas-y, où ça? Où ça que je rigole? Bah, tu verras quand t'arriveras. Oui, effectivement, j'avais pas vu. Je crois que tu parlais de ce qu'il y avait dans le sol. Oh bah... Tu dis que ça se mettra pas. Aussi, hein, parce que bon. Ah bah tiens, des larves. C'est bien ça, ouais, il aime bien manger ça. Putain, mais les gamins, quoi. Bon, je pense que c'est pas ici le capitaine, hein. Non, je pense pas, non. Que dit le livre? Lorsqu'on rejoint... Find the place for the chest to rest, no rest for poor Bill, no make-all. Tu vas courir avec son livre ouvert, là. Ah, donc du coup, attends, il y a tout en haut, c'est tout en haut, il a fait le roi lion. Ah, le roi lion. Simba. Simba. Non, il a fait, Simba. Il a fait le long live the king. Donc c'est peut-être en haut. Long live the king. No. Ah. Regarde-le, là. Ouais, c'est exactement ça dans le doublage français officiel. No, oui. Ah. Ah. Donc là, il a fait Long Live the King, il est mort. Ah. Ouais, il a fait surtout V6 partage, je pense. On peut s'asseoir. Des fois, on peut s'asseoir sur le sommet de... Ah, peut-être. Du coup, c'est ici. Bah, c'est là qu'il est mort. Ça marche pas du tout. Il a payé une piste, du coup. Le jeu, il est bugué, je crois. Je comprends pas. Déjà, on devrait entendre une voix. C'est un peu comme si tu tenais une partie de ton corps dans la main, non, vu que c'est une clé squelette. Oh. Et pourquoi tu poses ce genre de questions maintenant, en fait? Je viens d'y penser. Je te vois pas porter la tête depuis 20 minutes. C'est là en mode, les gars, regardez, c'est mon petit doigt. Oh, eh, hey, mais bah... qu'est-ce que bah... Je viens de l'activer à l'instant, mais je savais pas. Eh, hey, merde! Vas-y, va dedans! Non, mais j'ai désactivé. T'as essayé de tuer le capitaine là. Squelette. Oh, c'est. Où est-ce qu'il est, ce con là? Faut creuser dans le cul des statues, peut-être, non? Attends, donc long live the king. Ah, attends, il y a une. Ciao, ciao, si, bonne soirée à toi. Merci d'être venu. Bonne soirée. Ouais, je vais chercher les gars là. Attends, je reprends le truc.
Ici, vous entendrez le capitaine Blake. Il y a des... Non, mais ça, c'est le crâne, non? Bah, il y a personne à côté de moi, non? Est-ce que, s'il te plaît, tu peux refaire le son que tu viens de faire? Excellent. Ah ouais, c'est pour chelon que ça... Oh putain, il y a trois pirates. Bah oui, c'est pour ça, ouais. Il y a... Oh, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Oh, 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 oh. Non, mais vraiment au secours, par contre. Comme ça. Need the bad row, man. Oh là là, Roma. Il est faible, stupide, il tape le crâne de Bill, c'est qu'il roule dans le sable perdu, il deviendra de la carte de l'argent. Pas compris, c'est quoi qu'il faut lire déjà? Il faut arriver sur l'île et apparemment il y aurait une voie. Mais je vois pas du tout ce qu'elle est, la voie. T'es sûr que c'est Steve Zeven, non? Ouais, parce que moi je viens de lire une phrase là. Voyons au-delà de la grande île, mieux vaut choisir une petite, elle passera inaperçue. Donc il faut aller sur une petite île? Bah pour moi faut aller sur l'île qui est juste après en fait. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Tu vois là t'as effectivement Steve Zeven et après faut continuer t'as trois petites îles et il s'arrête sur une petite île avec une arche. Ouais. Celle-là elle est un peu... C'est ça que je disais, elle me paraît énorme pour être l'île de... Non, ça m'a l'air plus d'être une cascade ou... Mais il y a une cascade mais... Après attends, en fait on aura entendu la voix il y a longtemps. Parce que la voix elle s'active... Oui. Et puis on parle bien de cette île là, capitaine. Attends, je suis bloqué. Cette île là, la capitaine. Oui. Oh. Oh merde! Attends, on arrive. Alors comment, je ne sais pas, mais ça a fait one shot. Ouais, je viens de voir le stream, je ne sais pas non plus. Ça va, Q? Ça va, Q? Ah oui, t'as été one shot, mais je sais pas pourquoi. Bah, c'est bon, je peux raise, hein, je crois. Mais il faut récupérer la clé pirate, non? Et sur mon corps. Ah merde, Ah, ok, il y a des gens qui tirent. Direction maintenant le coffre squelette. Pour retrouver l'île qui est abrite, il faudra procéder de la même manière que la clé squelette. Regardez les indices, les silhouettes, etc. Et tout. Au sud, des anciennes îles, Five Heaven, ok. Ici, vous entendrez le capitaine Blake qui, lorsqu'il aura rejoint Avery dans l'au-delà, vous laissera le champ libre pour creuser et retrouver le coffre squelette. C'est ça que je comprends pas. Je sais même pas où tu trouves ces infos, mec. Sur Xbox machin là. Ah. C'est quoi le nom? Xbox Squad. Moi je lisais le bouquin. Il est où le bateau, capitaine? Ok, il est de l'autre côté en fait. Oui. Indeed. Merde. Vous êtes sur le balai? Oui, oui. Là on est sur le. Bah tu peux venir quand même. Bah en fait tu peux pas vous rejoindre après. Oui. Ah bon? Ah, mais non, normalement, on est pas sur un galion. Par contre, j'ai entendu un coup de canon. Ah, c'est moi. C'est moi. Vous êtes sur un. Vous m'entendez quoi? Ouais. Ah, mais où est-ce que je suis mort? Et ensuite, on fait un galion. T'inquiète, j'ai récupéré ta clé, Ok, d'accord. Putain, mais on va faire cette quête vite fait là et après on va. Par contre, ouais, comme je disais. Tu vas dodo après? Bah, non, c'est qu'il faudra la. Soit on speedrun la quête, soit machin, quoi, moi je passe. Ouais, mais moi je. Ouais. Ah, vous emmerdez pas, hein, je suis arrivé tard, donc c'est pas de votre faute si vous arrêtez. Comment s'est passée ta soirée? Comment s'est passée ta soirée? Bah voilà, c'est le principal. Écoute, du moment que tu t'amuses, c'est le principal. Ah ouais, ouais, il s'amuse aussi. Ah, ferme-la, toi. Ah, c'est pas le cas, après. Non. Non, pas trop, non. Ah. J'ai failli craquer deux fois, j'ai pleuré deux fois, j'en pouvais plus, là. J'ai insulté la mère de Lexios, quand même. J'ai insulté la mère de Lexios. Je sais pas compter à quel point elle est trop cool, ma mère en plus. Non, mais il y a eu des petits moments marrants quand même. Oui. 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 Pas pour toi, mais au moins c'était marrant. Bon. On peut dire après. Coffre de ville. Du coup, que je sache, en fait, il y a des gens qui vont continuer à jouer après ou pas? Et non, heureusement. Si tout le monde arrête. Ah, bien entendu. On peut ouais, partir en sloop tous les deux. De la même manière pour la clé squelette, il y a des indices.
Putain, mais je vais craquer. On est sûr qu'elle l'île. Mais là, c'est si bien. Ouais. Parce que moi. En fait, la forme de l'île correspond, mais elle, en fait, sur le dessin, elle est minuscule comparée à. En fait, on trouve une île plus petite. C'est ce qu'il y a écrit, on est d'accord. Les anciennes îles aussi. Voilà, on passe la grosse île et on trouve une petite île. Ouais, moi, c'est ce qu'ils disent aussi, hein, Tivaven. Ensuite, vous entendrez le Capitaine Black. Vous laissera le chemin pour creuser le corps, parce que là, c'est ce que. Lorsqu'il aura rejoint Avery dans l'au-delà. Ouais, le mec qui l'a tué. Ouais, ouais. Parce que, en fait, pour moi, cette quête que j'ai faite du coup la semaine dernière, et c'était, il te donne le nom d'une île. Moi, en fait, là, t'as pas vraiment de nom, non, ce n'est pas des noms, c'est des formes. Tu devines les îles, et après, c'est souvent la deuxième, c'est pas la première. Ah. Complicato, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, trouver le coffre squelette. Sea of Tiveven. Bah tiens, Tiveven à proximité des trois énormes têtes en pierre. Hein? Ah, sérieux? Ouais. Oh là là. Mais pourtant on devrait entendre une voix, on a rien entendu. Vas-y le pavoté hein. De la manière que la clé et dessin et texte vous guideront vers l'île où repose le coffre squelette. Le lieu une fois trouvé, le capitaine Blake, un autre capitaine squelette, se mettra à parler. Écoutez-le puis affrontez-le pour creuser et découvrir le coffre squelette. Mais à votre bateau. Donc on est d'accord, c'est censé s'activer Enfin c'est censé s'activer en passant à côté. Ah mais en fait vous êtes parti sans moi ? On revient. Tu sais que ça fait genre 10 minutes qu'on a fini. Mais vous même pas on me prévenait ou quoi ? Non mais en fait à la base je voulais juste voir les îles qui étaient à côté parce que l'intuition de c'est bizarre vous trouvez passer devant la grande île et machin. Et là je viens d'envoyer un message à Alexios en mode mais il a capté qu'on était parti. Putain mais... Vous revenez hein. Oui, en train de revenir. Ah, d'accord, ok. J'ai trouvé la ville de Mégalodon. Il y avait une île là-bas, je voulais voir ce que c'était. S'il y avait une arche ou pas. Vous êtes méchant avec moi. Mais tu peux parler. Mais non. Mais non, mais bouh. Ah, me dis pas ça, s'il te plaît, je dirais mon ex. Le surnom qu'elle me donnait, c'était Bébou. Hein. Oh, mignon. Mais... Moi, Bébou, c'est le nom d'un dinosaure. Bébou le petit dernier dinosaure. Non. C'est mon ami puis plus encore. Dans un magasin de jouets malheureusement. Putain, je crois encore... que j'avais dit à Alexios. J'ai acheté un putain de gros vélociraptor. Machin, il fait 80 cm de long, je l'appelais Bébou. C'est Blue en fait, le Blue de Jurassic World, mais je peux pas. J'ai peur. C'est Bébou. Je connais Bébou, ouais voilà, au final ça sonne bien. Bébou. J'ai trouvé un coffre. Ouais, y en a un que j'ai appelé Marcel. Hein. Je suis tombé, putain. Peut-être si la bouffe elle est bonne enlever du feu là. Tu la vois cuire, si c'est une viande elle a trois étapes de cuisson là bah pas cuite, partiellement cuite et. Ah et ouais, tu vois en fait qu'elle est cramée bien sûr. Cramée. Moi, je le vois pas. Bah là, c'est normal, tu viens de la mettre toi. Bah non, bah dis-moi parce que je sais pas quand est-ce que c'est bon ou pas. Bah là elle est cuite. Par exemple. C'est comme dans la vraie vie hein. Bah là elle est cuite aussi. Mais non, celle-là je viens de la poser. Celle-là elle est cuite. T'avais du mégalodon. Bah, le mégalodon il a la couleur de genre comme du saumon quand tu. T'inquiète, c'est pour quoi. C'est un réflexe ça. Ah, c'est vrai que tu mets des trucs dans le coffre de la chaloupe. Non, non, dans le premier tonneau de nourriture. Ah, d'accord. Non, parce que c'est une chaloupe qu'on doit abandonner parce que. Donc, faut lui faire des bêtises. Ça. Hein, quoi? Allô? Bitard. On est bientôt à Lille, là, monsieur. J'entends toujours des voix. Putain, mais. Bon, je arrive aux trois têtes, là.
Je pense que c'était des points de. Des points de sol. Hein. Bon, je suis aux trois têtes et après. On est sur la bonne île, le capitaine. Bah ouais. Bah, maintenant que t'es aux trois têtes, c'est dans le coin. Dans le coin. Dans le coin. J'ai croisé un fantôme. Voilà, j'ai appris les bonnes manières. Aux alentours des trois têtes. Aux alentours du trois têtes, mais. Mais regarde le livre, la dernière image. Attends. Bon, je prends mes rien sur le coup de canon. Donc fais la même chose. T'inquiète, c'était mon canon à la base et j'ai fait. Ah ok. Il était trop bas aussi. Ah oui, non, mais là tu l'as mis trop à. Oh non, je suis parfait. Je suis un. Oh non. Ah oui, non, c'est juste qu'il était trop bas le mien aussi. Tu veux rigoler? Ouais. Ça m'a fait atterrir pile poil là où il y avait le coffre et du coup on est coincé. Bah, du coup je suis coincé. Voilà. Ah bah descends, on va le refaire. Attends, j'arrive aussi au bateau. C'est dans le coin, mais. Vas-y, fais le dash EP pour aller plus loin. Ah, attends, c'est bon, j'ai trouvé un moyen de remonter. C'est bon, j'ai réussi. Lève-le un tout petit peu en fait, et c'est bon. Ouais, mais on va. Ah, mais c'est pas en fait. Voilà. J'arrive. Ouais. Hein? J'arrive. Non, mais juste que je cherche un moment. J'arrive plus à parler. Je cherche un moment à comprendre où est-ce que c'est à côté, mais je comprends pas. Après, le site c'est aux environs. Voilà. À proximité des trois énormes têtes en pierre. Ah, mais attends, il faut pas se battre contre quelqu'un? Il faut qu'il y ait un squelette qui pop. Mais un chef squelette. Oula! Oula! Attends. Sérieux, ça m'a tué? Tu peux me rester s'il te plaît? Alors j'étais loin pourtant. Oh! Première fois que je vois ça. Merci monsieur. C'est bizarre. Ah, t'étais loin mais tu devais être loin déjà. Tu as une banane? Je viens de voir avec toi. Non, c'est bon, j'ai déjà mangé du squall. Le nom de ta VOD, ça va être ça, hein. De quoi? Ah non, il va y avoir plusieurs VOD, là, hein. 4 heures qu'on stream. Oh, je te une, hein. Je te une. Oh putain, c'est une blague. Et si, hein. Il y a un trou au milieu de l'île. Ah non. Mais non, mais fallait pas bouger le. Pourtant, c'était bon. Tu m'avais dit de lever un petit peu parce qu'on a atterrissé au mauvais endroit. Oui. Un tout petit peu, mais genre vraiment un tout petit peu, quoi. Genre, en fait, j'ai décalé un peu à gauche. Oh non, fallait pas décaler, fallait juste lever. Oui, en fait, ouais, si tu décalais, tu tombais pile poil dans le trou. Ah ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc là, il y a deux têtes moches. Et là, il y a les trois têtes moches. Mais là, c'est plus simple pour monter parce qu'il y a un bas. C'est bizarre, je comprends pas. Hein. Censé entendre. Mais... Bah, il est censé entendre des voix, donc ça qui est bizarre. À moins que le capitaine soit mort avant qu'on arrive, ce qui est possible vu que les mobs se tapent entre eux. D'ailleurs, ça peut être une astuce, ça. Quand tu es sur une île depuis un certain moment et que tu vois en fait un groupe de capitaines en fait qui spawn, c'est très probablement qu'il y a des joueurs qui ont une quête dessus en fait. Donc soit vous tardez et vous les. Ça canonne notre bateau, je crois. Hein? Oh, vraiment là. Il y a quelque chose à bord ou pas? Oui. Deux, trois merdes. Non, je sais pas, il y a eu deux coups de canon et il y a personne vers là où j'ai entendu les bouts de canon. Putain! Alors, j'ai vu un squelette sur un canon, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Hein. Peut-être. Ça m'étonnerait vu que notre bateau il est pas dans le coin. Non, il y a personne autour, je confirme. Ouais, il y a personne. C'est une mais montre, les canons ont forcément tiré quelque part. Hein. Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Que ce soit même un PVP, PVE. Ah merde, un squelette, il a forcément tiré sur quelque chose. Après, c'est peut-être des gens qui ont tiré de loin pour se canonner sur notre bateau, quelque chose. Et nager, toi. Mais c'est quoi cette quête de merde là? Ouais, je comprends. La quête de merde! Je comprends pas du tout là. T'es sûr qu'il y a personne? Non, je regardais. Ça canonne là-bas, j'ai. Ouais, parce que c'est un coffre à ah, non, en fait, genre... Il y a un sloop joueur.
quand je vois les images, Captain Blake... Il est canonné par une île, oui, canonne une île. Captain Blake, en fait, il devrait spawn devant les trois têtes, en fait. Ah, en vrai, il y a une baston de la bateau là-bas, faut faire gaffe. Il y a une vraie baston là-bas. Ah ouais, c'est ça. On devrait pas se barrer, pas loin de nous en fait, c'est pour ça qu'on entend les coups de canon. Tu sais quoi, je pense qu'on devrait annuler la quête là parce que c'est chiant. Bah, on peut juste partir et aller vendre. Bah, ouais, c'est pour ça. On va faire ça. Ça veut dire qu'il va falloir revenir. Ouais. Non, non, bah, au pire, on doit la refaire. Normalement, les quêtes se sauvegardent. Je vais checker la map si c'est des repères. J'avais un coffre là, il est où? Non, bah Plunder c'est mort, on va aller faire une sirène supérieure. Ouais, la mort au speak, on va aller à mort au speak. Bon, je commence à partir, je vous prendrai la sirène. Comme ça, au moins, on va... Oh ta mère! Le redstone quoi. Oh merde, t'as l'autre bout de l'île, je pourrais pas venir se chercher. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Oh. Là, je suis en train de saturer. Bah ça c'est vraiment le genre de quêtes qui sont pas folles, ou tu sais pas si t'es sur la bonne île. Non, c'est pour ça, ça me tue, et pourtant c'est pas con, je veux dire, c'est... Elle est claire la quête. Ouais, mais c'est pour ça qu'on devrait être sur la bonne île quoi, mais bon. Bon, bille de la merde là, tu veux pas pop s'il te plaît? Bon, ils ont coulé un brig. On va les laisser. Non mais tant pis, on va... Lever la lanterne, c'est ça la bille. Le mec que tu vois au début, c'est un des mecs qui était derrière nous en fin de ce fight. Bill. Bill. Mais. Allô? Ouais, oui. Je pense que en vrai la quête est buggée. Je pense aussi. Bah Bill, c'est le fantôme pirate qu'on devrait trouver qui nous amènera son coffre squelette mais qui n'est pas là. Qui ne spawn pas. Je pense que normalement. Comment dire. On entend les squelettes parler de très très long. Et encore même pas, justement... puisque le premier squelette avec la clé, j'ai dû chercher très loin et j'étais même pas quoi, à un mètre pour qu'il parle. Ouais, c'est bizarre. Alors, moi quand j'ai fait la quête, vraiment tu les entendais parler à genre 10 mètres, 20 mètres. Je crois qu'il y a un mob dans le mur. Là où ça? Tu vois, y'a un truc que je pige pas parce qu'il dit comme quoi on bivouaque au sommet de la colline, s'installe pour protéger la clé. Et puis là, des cris, des bruits. Ouais, ça c'est la clé, d'accord. Venu pour nous, Maro va se battre, je vais mourir. Mon crâne, nous sommes souillés, mais on pile. À la porte avec son coffre spécial dans les anciennes îles du sud. Au sud, ouais. On cherche une île où la cachée, ouvrons l'œil. Voyons au-delà de la grande île. Il va en choisir une petite, elle passera inaperçue. Bah oui, voilà, c'est pour ça que pour moi c'est pas Sylvesavan, non? Ouais, mais quand je regarde les solutions, quand ils parlent d'une île au sud, c'est Sylvesavan. Ouais, y'a que ça en plus. Non, mais peut-être, oui, mais après, en fait, ils passent. Attends. Et après, c'est la fin du monde, hein. Y'a rien d'autre. Regarde, on est parti, t'en lèches la map 30 secondes. On est parti de. Non, attends, tu lèches pas la map là. Lâche, genre vraiment, pour de vrai. Ah, pardon, Voilà. On est parti de là, à l'est, ensuite on doit aller là, donc pour moi c'est ça en fait. Et pourtant c'est pas marqué hein. Attends, je regarde vite fait. La solution elle dit c'est comme mais quoi mais en fait il y a un arche et là il y a si c'est au sud il faut aller à Fifthaven. Si c'est à l'ouest c'est à Plunder Valley. Et si c'est au nord c'est à Crooks Hollow. Bon bah bizarre. C'est pas grave, on la refera. De toute façon la prochaine fois on sera avec Q. Oui, c'est pas plus simple. Non, pas pour la quête. Putain, ça c'est nul. Il ouais, faudra faire Sparrow. Hein. Oui, non, pas Sparrow. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire aussi les trucs de base en fait. Pour les ouais, bah là. En fait, c'est ce qu'on avait commencé à faire avec ton machin. D'accord, ouais. C'est ce que vous voulez. On est en train de faire la deuxième, et la deuxième je l'avais déjà faite. D'accord. Après, on peut les faire avec les solutions. Oui. Chiante la quête. Ouais, c'est... les buggy. Pour le coup, celle que j'ai faite, la version... Moi, c'était aller à l'est, elle était plus sympa, genre il fallait passer sous un arc, elle était plus intuitive. Ouais. C'est dommage, je suis en bateau, moi, c'est Donc là, lâche, s'il te plaît, deux secondes. Ok, merci. Donnez-moi le cap, capitaine. Bah... non. T'as tiré dessus depuis l'île.
Ouais, je vois l'arc, on va passer à travers. Non, non, on va à l'avant-poste, on va vendre nos conneries. Mais... Qui nous tire dessus, je vois pas. C'est l'île. C'est des squelettes sur l'île, je suppose, avec des canons. Ah. C'est peut-être la balle, le coffre squelette. Ok, non, non, c'est bon. Mmh. Non, j'ai en fait, je voyais ta boussole, mais j'ai cru que c'était ouest, parce que je voyais pas le bord du... Non, je vais au bon endroit. Mmh. Un tout petit peu, c'est l'île qui est un peu devant à droite. Parce que le stoop il avait l'air un peu vénère donc. Oh, mais c'est dommage. Le vrai il avait mis, bon c'était un émissaire, mais il avait mis un drapeau d'alliance et le stoop il l'a foulé donc. C'est... Ah d'accord, ok. Tu es arrivé à pêcher là? Ouais. Quel homme. Avec ma canne à pêche en gui apparemment. Faut passer par la droite de l'île, le ponton il est à la droite de l'île. C'est parti. Je suis en train de faire mes pas, j'ai croisé mon personnage. Un tout petit peu à droite pour pas qu'on tape le pont. Ça devrait aller, je pense. Quand tu te suicides, tu il faut pas. Ah, je me suis pas. Et comment ça tourne à gauche? J'étais prévu, mais j'ai capté. Ouais, désolé. Consigne, mais après, si tu. Ah. Les consignes. C'est rien. C'est rien, ça passe. Et c'est juste. Voilà, c'est pas. C'est juste la seule. Ça va aller. Oh, toujours le même. De quoi? Le poisson, ouais. Même avant poste aussi, on est vraiment pour verre. Tu peux utiliser. Ouais, tu tires des verres ou pas? Ah non, ah ouais, putain, ouais. Comment on fait pour utiliser les verres? Lorsque tu as ta canne à pêche de sortie, en fait, ouvre ta roue de raccourci. Ouais. Et tu verras un truc qui s'appelle APA. D'accord. A partir de là, tu pourras tout simplement mettre les APA que tu as sur toi. Ok. APA, à partir de là. Bon. Je vais essayer ça maintenant. Je vais essayer. Et là. Appât, ah oui. Voilà, c'est bon, on a tout rendu, capitaine. J'ai pas d'appât, what the fuck. Comment on aurait oublié de vendre ça? Prends-en. Attends deux secondes. Il doit rien avoir. Attends, deux secondes. C'est bon, j'ai des larves. Tiens, attends, prends ça. Hein, quoi? Où? Hein? Où ça? Hein? Et sans su. Ouais. Eh. Oh, trop bien. Attends. Parenthèse. Voilà. Parfait. Ah, ça, il se trouve que tu te mettes à la main. Attends. Disons que les personnages de Sea of Thieves, malgré qu'ils parcourent la mer, ils sont pas très sashimi, tu vois. Il y a pavillon des eaux de la faucheuse qu'il faut vendre. On les vend à qui? Bah faut le vendre au mec des eaux de la faucheuse, mais on l'a oublié en fait. On a trimballé avec nous. Il est où? Dans l'eau. Ah le truc, bah il est loin. Ah très loin. Bah je trouve que ça vaut rien vu qu'on n'est pas Reaper, ça vaut rien. Mmh. Alors bon pour toi c'est beaucoup, mais ça va valoir 1000 gold. Oui bon c'est bon. Siri? Ouais. Le phare de damnée, il ressemble à quoi dans le, ouais. Dans le ciel? Ouais. Un crâne avec des yeux rouges constants mais foncés.
Ouais. D'accord, ouais. Mais c'est pas le genre de crâne éclaté et rouge en fait. Non. Ouais. Ça c'est le fort de fortune. Qui ouais. est bon, pas tout aussi bien, mais. Enfin le loot est tout aussi bien, mais il n'est pas PVP. Je sais pas pourquoi en fait celui-là vaut plus que l'autre. Parce qu'au final, le FOF. Bah il a du très bon loot quoi. Donc moi ce que je voulais faire, en plus de me péter la gueule. Genre ça, ça. Bah. Il nous manque une case de ça. Et oh ta mère! Où, là je suis sûr que sa mère soit d'accord avec ce que tu dis. Hein. Je sais pas. Le truc c'est cassé. Non. C'est qui a pris tous nos feux d'artifice là? On avait genre une dizaine. Pas moi. Il n'y a pas une dizaine. Hein. Bah, tout, on a tout claqué, vous avez tout claqué quand on a quitté les Allemands. Ah non, non, justement, moi j'en ai tiré que deux. Hein. Bah ouais, le sloop est juste là. Bon, il va peut-être nous couler. Ouais. Ça, si tu veux une astuce en fait pour pêcher, tu peux spammer des clics en fait. Et enfin, lorsque tu as un poisson qui a mardi, bien sûr, tu peux spammer des clics mais en fait, sans recopier. Ouais. Et pour ma part, en fait, ce que je fais tout le temps, c'est j'appuie toujours sur S pour faire comme si je levais la tempête. Ouais, il nous fout, ils en ont rien à faire. Hein. Là, tu fais gauche-droite en fonction du bas, mais tu peux spammer constamment. D'accord. Sans rester appuyé. Tu vas le ramener petit à petit, en fait. Voilà. Ok. Attends, parce que les autres ils me font paniquer en fait. Eux en plus. Ah oui, du coup, ouais, je vois, je sais effectivement. Alors, du coup, c'est eux qui me remet. C'est quelque chose de couler le bateau ? Non. Non, non, pas du tout, ça va. C'est des Kevin, putain, c'est putain de gamin qui joue à GTA. Ah ! Lexios, regarde ! Regarde ! Regarde, regarde, regarde. Oh putain, il est beau.